Étant sculpteur, j'avais envie de faire un travail qui soit avant tout une forme et pas intervenir spécifiquement avec une illustration, du graphisme ou autre. Je ne voulais pas non plus tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre d'anecdote ou de l'humour. Donc j'ai pensé à une forme qui pourrait être ambiguë, qui pourrait avoir plusieurs sens, plusieurs interprétations possibles. Ça, c'était important pour moi, ne pas donner de leçons, surtout. Et j'ai pensé à une forme type corail, une espèce de structure qui viendrait autour du globe et non pas sur le globe, comme une espèce de qui remplacerait peut-être à la fois la couche d'air ou alors qui serait là comme une structure protectrice, mais qui pourrait être vu aussi comme une structure envahissante, voire un virus autour de ce globe. Alors, je suis parti dans un globe qui, avec une architecture type corail, mais qui pourrait s'apparenter aussi à de la ronce en fonction de l'endroit où on le voit. Alors le corail, pourquoi? Simplement pour la symbolique, parce qu'on en trouve à Marseille, en Méditerranée, il est protégé, et que très vite il peut devenir blanc, et on sait très bien que c'est comme, on pourrait dire, les écrevisses dans une rivière, c'est un des témoins du bon comportement de la Méditerranée et de sa pollution ou non. Et donc voilà, je me suis saisi de cette image du corail, parce que je trouvais déjà, point de vue structurel, assez beau. En plus, c'est un animal qui ressemble à une algue et surtout à un minéral, et ça, je trouvais ça amusant. Déjà, cette ambiguïté dans le corail, dans la forme elle-même.